Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare depuis Burdignan. Je suis avec l'inénarrable Nicolas-Yves Kayrol qui est responsable là, de tout ce qui se passe autour de nous. Nicolas-Yves, on est donc vendredi, on est le dernier jour officiel du stage, à très très chaud. Donc c'est quoi ton bilan de cet événement? Eh ben bonjour à tous, salut Pierre. Écoute, effectivement, on est vendredi, ouais. La fatigue arrive, ouais. La fatigue ouais. Commence à se faire sentir. Écoute, bilan plutôt positif pour l'instant, tu vois. Ouais. On a eu des interventions de qualité, on a eu des intervenants de qualité. Mm-hmm. Les stagiaires semblent contents et nous, ouais. À partir du moment où les gens pour qui on travaille sont contents, on est contents forcément. Quoi. Ouais. Et là, moi, j'ai fait la tournée des salles de cours, donc avec Tanguy Carleroux, Swan Vaude. Nico Slash, il faut toujours que j'ai du mal avec le quatrième. Qui c'est que j'oublie ? Saturax, voilà. Et c'est jamais le même en plus que j'oublie dans le 4. Donc bref, j'ai fait le tour. Alors effectivement, on voit que la fatigue commence à être marquée au niveau des stagiaires, mais par contre, la banane est toujours là. Quoi. C'est là, tu vois. Il faudrait y avoir un filtre, tu vois. Il faudrait qu'ils inventent un filtre qui te remonte là. Tu vois. Non, ouais, c'est vraiment sympa. Puis nous, notre ADN, entre guillemets, c'est vraiment cette version, cette ambiance familiale quoi, qu'on recherche. Alors à la fois effectivement un peu bonne franquette, à la fois pas du tout prise de tête et vraiment une immersion totale sur la planète guitare pendant 8 jours quoi. En gros t'arrives, il y a plus rien, il y a plus de facture d'électricité, il y a plus de guerre, il y a plus de machin, il y a de la guitare et un peu de guitare et vous reprendrez bien un peu de guitare en dessert. Ouais. Et donc ici c'est la deuxième édition. Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur lachaineguitare.com.